Et bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour tester un tout nouveau Chop Chop qui est le Chop Chop Tennis aujourd'hui. Hop là, Chop Chop Tennis, qu'est-ce donc ce jeu? Practice, Wall, donc toujours le même chose, sauf que là c'est le tennis. Donc hop là, nous on va devoir hop là jouer, hop. Donc vous voyez qu'elle rattrape plutôt bien bien la balle. Hein. Donc ça c'est le mur d'entraînement, donc une fois que nous avons passé l'entraînement, clac. Hop là, nous allons jouer un match. Single player, 3 games start. C'est bon. Donc, ils nous disent un peu qu'il y a beaucoup de choses. Donc voilà, le jeu est un peu comme ça. Donc c'est un jeu plutôt rigolo. Donc pour servir, il faut faire comme ça. C'est à nous de servir. Donc nous allons servir. Hop, hop. Donc faut marquer des points, toujours pareil. Hein. Écoutez, c'est pas non plus un jeu qui est super simple. Hop là, vous voyez, j'ai loupé. Voilà. Ouf. Elle m'a tué, la fille. Donc, le jeu est plutôt cool. Surtout, j'aime pas trop le hockey ni l'autre, le soccer. Mais j'aime bien le tennis. Il est rigolo, je trouve. Il y a possibilité de bien, bien, bien rigoler, quoi. Bon, bien sûr, je joue très mal. Donc, bien sûr, c'est pas un jeu auquel je joue très, très vite, très, très régulièrement. Donc, c'est normal que je sois un peu rouillé. Out. J'ai bien fait. Allez, tiens. Donc, du coup, voilà. Il faut savoir que le jeu en lui-même est plutôt facile à prendre en main comparé aux deux autres qu'on a testés. Ils sont un peu plus durs, les deux autres, je trouve. Comparé à eux, ce jeu est plutôt très très facile à prendre en main. Vous avez vu, vous avez possibilité de bien mieux vous éclater dessus. Donc, c'est plutôt sympa, quoi. Aussi, le jeu est plutôt attrayant, donc à chaque fois que vous allez jouer à ce jeu, en fait, vous allez vouloir faire plus de parties pour augmenter encore plus votre niveau, donc c'est plutôt sympa. Vous pouvez faire des parties à 1 contre 1 ou 2 contre 2, c'est au choix. Moi, j'ai préféré faire une partie à 1 contre 1 pour vous montrer le jeu, comment il était fait. Les personnages sont comme les deux autres, sont très bien. C'est des personnages qui sont plutôt rigolos plus qu'autre chose. C'est pas, on cherche pas non plus l'excellence au niveau des persos. Mais déjà, c'est cool ce qu'ils ont fait. Après, bien sûr, moi, ce que je vous dis, c'est que le jeu est gratuit. Donc, si vous voulez prendre, ben, allez-y, faites-vous plaisir, quoi. C'est gratuit. Après, je vous dis aussi que vous avez juste à taper dans la balle. Donc, c'est plutôt sympa, quoi. Après, il faut bien servir, bien faire les trucs pour taper dans la balle. Donc voilà. Donc sur ce, hop là, on va mettre pause, pause, voilà. Sur ce, moi je vous dis à très vite. Il y a une page Facebook, une page bien sûr Twitter, il y a la page du site et la chaîne YouTube. Donc vous pouvez me suivre pour savoir un peu tout ce qui se passe sur le site et ce qui va arriver. Parce que je mets beaucoup de choses sur les tests que je vais faire, etc. Les nouveaux wallpapers, etc. que vous pouvez prendre pour votre site ou pas. Aussi, il y a quelque chose d'autre que je vais vous lire. C'est qu'il y a beaucoup de vidéos, donc si c'est la première que vous voyez, vous pouvez aller voir les autres. Vous pouvez les partager, c'est gratuit, vous pouvez faire un peu ce que vous avez envie. Donc voilà. Moi, je vous dis à très vite et j'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao!